Salut à tous, c'est Télé, on se retrouve en compagnie du beau, du magnifique Nano, bonjour à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique Urbex, pour un magnifique vlog dans la forêt, voilà. Ouais, un petit vlog, pas mal. C'est hein. Pas mal. Non, donc plus sérieusement, oui, c'est notre première vraiment vidéo IRL. Donc première vidéo pour toi, ta chaîne, et pour moi la première vidéo vraiment IRL. Et donc on se retrouve pour un Urbex. Donc qu'est-ce que c'est un Urbex? C'est tout simplement on va visiter un bâtiment abandonné. Donc là pour le coup c'est une ancienne mine. Vas-y, vas-y. Parce que ça c'est tout moyen. Ah c'est bon, je suis vivant. Bref voilà, donc on va tout de suite passer en caméra arrière. Donc voilà. Donc l'entrée c'est juste ici. Vous pouvez voir que. Ah elle fait quoi? Elle a cramé ou pas? Ils ont coupé des trucs. Ouah putain. Ouais carrément. Alors vous les gens pour vraiment bien que vous voyez. Putain. Oh ça. Oh sa mère. Putain, il y a plein de pièces. Bon, on fait quoi? On va là, on va d'abord en haut, ou ça on le garde pour la fin? On va le garder pour la fin, je pense, mais regardez les gens, c'est énorme. C'est... Wow. Bref, bah voilà, attendez, donc là, on va commencer par ici. Putain, mais c'est fou de dire qu'avant c'était une ancienne mine, tu sais. Ouais, c'est... Ouais, c'est... franchement, c'est... C'est dehors. Ouais, il flippe. Ah ouais, ok, là c'est chaud, non? Imagine si c'est cool. Non, faut passer par l'autre côté. Faut passer par l'autre côté. Ouais. Vous pouvez voir, franchement, c'est vraiment, vraiment mauvais état. C'est... Franchement, c'est extraordinaire. Je regarde beaucoup de vidéos Urbex, et c'est la première fois que j'en fais un. Et franchement... Ouais, une cave. Sérieux, une cave? Une cave, là. J'ai peur qu'il y ait un mec qui me saute dessus. Vas-y. Je flippe ma race. T'as pas peur, toi? Mais si, si, si. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ok. Attendez les gens, je mets en flash, j'arrive. Voilà les gens, hop, j'ai juste mis le flash, il faut juste que je fasse le focus. Alors là on a déjà une première. Putain, t'es sérieux, tu m'avais flippé, putain. Putain, en fait, on voit que dalle. Viens, s'il te plaît. En fait, on a une première sorte de... Oh, putain, il y a une toile d'araignée, sa mère la chienne. Bah, tu m'étonnes, c'est pas habité depuis... Enfin, c'est pas... En fait, c'est une toute première cave, mais on voit pratiquement rien. Mais je me demande... C'est de quoi en dessous? Oh, putain, ça... C'est de quoi en dessous? En dessous, genre... Ici... Ah, là. Ça doit être des combles, je pense. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que c'était, alors. Parce que si c'est dans une mine, dégueulasse. Donc il doit avoir forcément quelque chose. Viens. Ici c'est quoi? Il y a une deuxième porte. Et il y a des sortes de rails au plafond. C'est chelou. Donc à mon avis, ça doit être genre des genres de vestiaires ou quoi. Et regarde là, on dirait que c'est une cheminée en fait. Je crois une douche ou une cheminée, je sais pas du tout. Une cheminée, je pense plus. Enfin, je me dirais, il n'y a pas de truc aussi, il n'y a pas de séquelles de cheminée, donc... Ouais, donc c'est peut-être une cheminée ou quoi pour se réchauffer, voilà. Par contre, il y a plein d'araignées pour les gens qui... Voilà. On va essayer de monter. Donc il y a un escalier, attendez, ah on voit dehors donc. Hop. Voilà, en fait on est vraiment en sorte de pleine forêt, il y a des travaux juste à côté. Putain. Oh sa merde. Oh sa merde. C'est gigantesque. Putain, tout s'écroule en fait. C'est gigantesque et c'est super beau. Putain,
franchement. C'est flippant, je te jure, c'est flippant. Déjà, à l'époque, on pouvait monter, non? Ouais, je pense, à mon avis, il y avait un étage. Ouais, je pense qu'il y avait un étage ou un truc. Putain, là, je pense que c'est là où il y avait la mine. Où tu mettais les gars là. Ouais. C'est quoi ce... Fais quelque chose qui nous pousse. C'était quoi? C'était les ascenseurs ou... Je crois que c'est... Ah si, c'est les ascenseurs, c'est ça. Soit c'était les ascenseurs ou soit c'est ce qui servait à remonter le charbon. Parce que les ascenseurs, je crois que c'était beaucoup plus gros que ça. Non, il me semble que c'était fin. Ah moi c'était ouais une personne par une personne, je sais pas du tout. Toi du coup t'avais des apparts. Wow. Ah donc là les apparts on s'en fout un peu des gens. Bah ils étaient pas il y a un an tu vois. Donc on est au premier étage voilà. C'est vraiment délabré. Oh, putain moi quel vertige. Ouais putain. On est vraiment haut quand même. Je pense pas que ça se voit vraiment la cam. Mais wow. On va aller jusqu'au bout de la pièce. Franchement. Mais c'est un cours de théâtre. Et ouais on dirait un théâtre putain. C'est une scène ou quoi? Attendez, on va essayer de monter. Hop. Regardez les gens, il y a des... Attends, je sais pas si je peux faire le zoom. Ouais. Vous voyez, il y a des sortes de trucs rouges, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, c'est écrit quoi? Ma vie, toi plus moi, mon amour, love, save, je t'aime. Oh bon, ok, d'accord. Non mais ouais, vraiment, on dirait un truc de théâtre, c'est vraiment genre des rideaux rouges de théâtre. Non, franchement, je pense pas, à moins que c'était genre pour en attendant les... Peut-être genre, tu vois, ceux qui travaillent à la mine et tout, peut-être ils avaient genre des spectacles et tout en attendant, tu vois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est vachement bizarre. Peut-être le soir, ouais, peut-être. Ou c'est peut-être genre... C'était peut-être genre une mine, et ensuite ils l'ont refait en salle des fêtes, tu vois, et finalement, c'est... Mais en tout cas, ouais... Les sortes de trucs comme ça, c'est obligé, ça vient pas de la mine, ça, c'est sûr et certain. Les... Ceux qui étaient à la mine et tout... À moins que c'était les trucs pour cacher, genre... Parce qu'à l'époque, tous les uniformes, ils tenaient en haut, et donc c'est pour ça qu'on voit les sortes de petites barres, là. Et donc, en gros, tous les uniformes étaient suspendus, et donc on les descendait comme ça. Enfin, c'est ce que je me souviens à la primaire, je pense. C'était un truc comme ça. Et donc peut-être que ça c'était genre juste pour cacher et tout, et donc là il y a un truc... C'est pas en très bon état. Ouais franchement c'est super pas du tout en bon état, ouais. C'est... Alors surtout ne faites pas de l'urbex. Ouais, surtout faites pas de l'urbex seul. Je sais qu'il y en a beaucoup eu de cas, tout simplement quand tu te casses la gueule ou quoi, ça peut être dangereux si t'es tout seul. Par contre là, il y a une grosse truc, un gros trou. Ça mène à une truc en bas. C'est là-bas dans les pièces. Ouais. Mais surtout, ne faites vraiment pas d'urbex seul, parce que si vraiment vous vous cassez la gueule et tout, et vous êtes tout seul, et en plus, si jamais vous faites agresser ou quoi, vous êtes vraiment tout seul. Donc faites vraiment attention. Et nous vous rappelons que dans certaines zones, c'est vraiment interdit. Ici où on est, normalement, on peut essayer de visiter, mais en tout cas, dans certaines zones, on n'a vraiment pas le droit. Donc faites vraiment, vraiment attention. Par contre, une zone que j'ai pas visité, c'est la zone 51, mais putain, tu peux même pas rentrer. Bah, ça, ouais, mais c'est pas délabré, ça là, la zone 51, tu m'étonnes. Oh, il y a encore un autre étage, mais vaut mieux pas y aller vu comment. Non, bah, c'est pas l'étage, c'est juste. Ah, c'est un autre étage. Donc, on va voir. Ok, donc c'était ici les douches. Ou les toilettes, je sais pas. Ouais, c'est des... Douche et toilettes, je sais pas, mais en tout cas... Des chiottes, ça c'est vraiment un mauvais état. C'est trop bien. C'est un super mauvais état. On se croirait dans une bande zombie, là. Tu m'étonnes. Ouais, là, ça doit être une douche, je pense. Non, ouais, c'est ça, c'est vrai, avec le tuyau. Ouais. Et là aussi, il y a d'autres tuyaux, donc ça doit être une douche. Franchement, c'est vachement chaud. C'est vraiment super flippant. Okay. Ah ouais, donc là c'était là où on était à l'époque. Ouais, enfin, tout à l'heure. À l'époque. Ouais. Ouais, surtout qu'il faut pas qu'on se fasse voir au cas où que...
Je veux dire, si le mec a fait des trucs, je veux dire qu'on va pas dégrader le site. Dans tous les cas, on est en première vidéo. Et donc, il ne reste plus que le garçon. Putain, ça fuit encore plus. Et donc là. Là, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, si ça devait être une cheminée ou un truc, un sorte de placard ou quoi, parce que on peut voir qu'il y a des trucs en bois là, et ça, le trou dans le mur, c'était pas à l'époque. Mais donc, ça, c'était dégradé. Tu penses que le mur, comment il faisait pour rentrer le mur? Parce qu'en ça, il pouvait pas rentrer. Parce que le mur, il était là tout le temps. Ouais, mais à mon avis, il y a une autre entrée de l'autre côté, à mon avis. Donc, mais qui était bouché, à mon avis. Ouais, à mon avis. Avec le temps. Ouais, ouais, donc je sais pas. Je suis pas super chaud pour y aller. Hein. Parce qu'il y a je sais pas combien de pièces, je sais pas si on le voit là. Mais en tout cas, il y a super beaucoup de pièces. Putain, et je te remets, j'ai peur qu'on se retourne et qu'il y a un mec d'un coup là. Franchement, je sais pas, comme tu veux. Voilà, j'y vais, vas-y. On y est, enfin, on discute à chaque pièce. Quelqu'un ? Et évite de trop gueuler parce que. Il y a des gens qui font du chantier juste. Non, mais ils entendent pas, je pense pas. Putain, il y a plein de pièces! En fait, il y a plein de pièces, à mon avis, c'est soit des dortoirs ou soit des trucs pour changer. Je pense que c'est. Des dortoirs. Comment on flippe sa grosse mère? Putain, je sais pas comment Gus DX il faisait à l'époque. Hein. Enfin, pour faire tous ces trucs comme ça, en tuant tout seul et tout. En pleine nuit. Ça me flippe. Putain, ça fait flipper ma gueule! Ouais, vas-y, on y va pas. Bah, ouais, mais c'est comme le but de l'Europe, c'est d'y aller, quoi. Ouais, sauf que si on met. Enfin, si on. S'il nous arrive quelque chose ou quoi, c'est pas. Le but de l'Urbex, c'est pas de se mettre en danger, quoi. Vas-y, on y va. On a deux, vas-y, mets ta lanterne, je peux monter. Mais ouais, mets ton flash. Tu rentres avec quoi? Ouais, t'inquiète. Faut qu'on soit à deux, parce que à deux, je suis rassuré. En fait, c'est plein de petits dortoirs. C'est bizarre. On en visite une. Celle-là, j'ai pu prendre celle-là. Celle-là, j'ai pas fait quelque chose dedans. Il se croit dans le classe. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire vite. Ok, donc en vrai, c'est votre deux pièces. Il y a deux pièces. Donc, à mon avis, c'était là où on vivait en attendant les ceux qui allaient bah, voir de la mine, tout simplement. Et du coup, on lui a demandé comment il. Il était bouché et tout. Attends, il faut que je fasse le focus. Bref. Et viens, on va voir. En fait, tout se rejoint. Je te sais. C'était le champ communicant en fait. C'est des champs communicants. Putain, mais les pas en fait pour rien contre. Tout se rejoint en fait. Alors en fait, je me demande si tout ce qui est délabré, c'est pas des cons qui se sont mis à taper les trucs. Parce que je pense pas que c'était aussi délabré que ça, les vitres et tout. Hein. Non, non, bah non. Même les trous dans le mur, je me demande si c'est pas des mecs avec des marceaux, tu sais. Non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais regarde, ça c'était pas ça. Putain, fais flipper la chambre là. On va dans celle-là. Bah, c'est la chambre. On essaie juste de tirer, d'aller voir. Mais je pense pas que les. Putain, c'est un raisonnement ici. Hein. Ouais. Mais regarde, c'est au plafond. Regarde. Oh putain, il y a plein de moisissures et tout, putain. Il y a plein de miantes. Ça vieillit avec le temps. Hein. Ouais. Tu sais, le temps. Putain, regarde, le truc il s'est effondré là. Par contre, ma cam elle veut pas faire de mise au point. Putain, ouais. C'est pas. Bon, sol, c'est genre de la moquette bizarre. Vas-y, bah, viens, on fait le tour des chambres. Son... Oh, en fait, ouais, c'était vraiment. Donc là, à mon avis, c'était un point de rassemblement. Putain, mais là, tu vois vraiment rien. Ouais. Donc, vaut mieux pas aller dans toutes les chambres. Vaut mieux aller dans. Moi, je peux pas aller. Ah, t'es marqué PO 21. Non, ça, c'est les trucs à l'époque quand ils ont. Enfin, les fondations. Ça se voit, genre, qui va se mettre dans le truc étranger, apparemment. On est bizarre mais on est personne. Ah ouais, il y a personne en ce moment. Ok là. Enfin, c'est bon, ça me rassure, y'a personne en fait. Putain mais mec putain. Je crois que t'as être comme ça. Mec il fait sursauter sa mère. Putain, y'a vraiment des trucs. Ouais, t'avais une porte là, à l'époque. Ouais. Et en fait, y'a plein d'issues qui étaient condamnées.
toutes les fenêtres et les issues et les portes et tout. Je pense que c'était. Parce que tu sais, quand on est rentré avec le lycée, les portes étaient fermées et tout, il y avait tout barricadé. On a dû péter les portes pour rentrer. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, de base, on devait même pas rentrer dans la nuit. De base, on devait même pas rentrer dans. Putain, plein de charbon, plein de noir. Ah, c'est bon, il fait jour. C'est bon. Évite de trop parler. Il y a des voitures juste à côté. Des voitures juste à côté. Putain, arrête de marcher sur les trucs. Viens. Ok. Ah là, c'était les douches. Ça, c'est sûr et certain, c'était les douches. Chut. Non, c'est toi. Ouais, là c'était les touches. C'était. Attends, c'était des touches, des toilettes. Regardez, on dirait des toilettes turques. Ouais, je crois que c'était des toilettes turques. Parce que je vois aucun robinet ici. À moins qu'ils aient tous les tuyaux triques. Alors actuellement, on est dans un complexe, dans une ancienne mine à bord de mer. Comme que là, il fait noir, il y a tellement noir. Franchement, c'est hallucinant. Hallucinant. Vas-y. On fait pour les autres pièces. On arrive bientôt à la fin, les gens. Donc, en fait, c'est des pièces bah, exactement les mêmes que tout à l'heure. Mais en fait, là, après, c'est que des pièces comme ça. À mon avis, à la fin, il doit y avoir des autres toilettes. Mais... Oh putain, c'est. Ouais. C'est vraiment flippant les gens. Attends, en fait on voit pas beaucoup à la cam, donc je vous invite à regarder cette vidéo dans le noir. Putain. Oh putain, c'est vraiment délabré de ouf. Hein. Vraiment. Oh là, c'est un peu délabré. Et là, si on va là, on est. Ah oui, bien, on sort là vite fait pour voir, pour faire le tour. Vas-y. C'est bon. Vous pouvez voir, on vient de là. Franchement, c'est vraiment super flippant. Ok, alors, en fait c'était, ouais, c'était, voilà, c'était le balcon là où on était tout à l'heure, où je vous disais qu'on était au premier étage. Et bah comme ça paraît pas forcément haut, mais en fait quand on y était ça paraissait beaucoup plus haut. Donc on a fait tout le tour, là on retourne à l'entrée, on va juste regarder. Teddy me dit qu'on a oublié de regarder le truc. On a pas été en tout cas maintenant c'est plus rassurant de savoir qu'il y a personne qui lit. C'est sûr, faites gaffe. Là, donc, ça doit être un genre de KGB et tout, juste en dessous des escaliers. Les escaliers, qui, je vous le rappelle, est totalement effondré. Donc, mais c'est pas grave, on peut y aller à partir de là. Mais vraiment, faites super attention. Si vraiment, enfin, je vous conseille vraiment pas de faire d'urbex. Mais voilà, franchement, c'est la trouvaille, la meilleure trouvaille d'aujourd'hui, c'est ça. Franchement, les sortes de couloirs comme ça. Ah, ouais, c'est flippant. On a à peu près tout fait. Ici, on a déjà été. C'était la sorte de cave, là. Bon, bah, en tout cas, on a tout fait. Franchement, c'est super beau. On se croirait vraiment dans les trucs, genre dans les films et tout. Ça a vraiment été fait exprès, genre de délabrer, machin et tout, de tout casser. Et finalement, non, c'est vraiment triste de voir que finalement, un endroit aussi, aussi utile, parce que bon, faut se le dire après, ça nous a quand même bien servi. Tout ce qui est. Enfin, moi-même, mon grand-père, et je pense que beaucoup de grands-pères. De certains des abonnés, ou même des pères hein, de certains abonnés et tout, ont travaillé à la mine, et donc ça fait vraiment bizarre de voir tout simplement un lieu comme ça aussi en ruine, et c'est vraiment dommage.
Bon, après, c'est la vie, écoutez. J'espère que ce premier épisode de Urbex vous aura plu. Et on se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos Urbex ou même d'autres vlogs, etc. Ouais, j'ai peut-être une idée pour une petite vidéo Urbex, visiter, parce que je connais un endroit où c'est, si tu vas faire une grande tour, mais abandonné, je sais pas, c'était une tour de quoi, je pense que c'était l'ancienne usine, tu sais. Je pense qu'il y aura une vidéo par mois sur, en Urbex, donc dans des lieux plus en tête, etc. Mais surtout, n'oubliez pas, n'allez jamais se voir les Urbex. Ouais, c'est sûr, et même éviter d'aller dans les Urbex, on sait jamais. Nous, on a vraiment eu de la chance, parce que, enfin, même s'il est délabré, ça va encore. Mais faites vraiment attention parce qu'il y en a plein qui ont déjà eu des soucis avec des effondrements, etc. Donc surtout vraiment, ne faites vraiment pas ça. Et si vraiment vous y allez, faites-le au moins 2, 3, 4, voilà, faites-le vraiment pas seul. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu hein, sur sa chaîne et sur la mienne. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez des prochains Urbex, si la vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez kiffé, si vous avez eu peur ou ce que vous me conseillez d'améliorer, n'hésitez pas. On prend toutes les critiques. Voilà. Sur ce, on dit ciao à la prochaine. Tout le monde, portez-vous bien. Salut. Peace.